Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut, salut! Comme vous avez pu voir, on n'a pas fait de vidéo depuis un petit moment. Parce qu'on a fait tout simplement préparatif, parce qu'on s'est pris 2-3 jours de vacances. Et donc on est allé au Festibus. Et donc on a fait les préparatifs avant de partir. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire de vidéo. Et en plus, comme je l'avais dit, on a passé le véhicule au contrôle technique pour la première fois, on va dire. Et ça a été compliqué. Comme c'était prévu, hein, on avait bien prévu qu'il allait nous chercher des poux. Donc c'est bien le cas. Il m'a mis des trucs en contre-visite. Bon, le défaut de genre, normal. Il m'a mis aussi les feux qui étaient mal réglés d'après lui. Et il m'a mis une liste en contre-visite, mais du moins en défaut mineur. Donc ça, on s'en foutait un petit peu. Il pouvait bien marquer ce qu'il voulait, c'était pas grave. Suite à ça, j'ai reçu mon récépissé. Et quand je lui ai amené le récépissé pour passer la contre-visite, Toujours pas bon. eh bien, il me disait que le papier était pas bon, que ça lui plaisait pas. Donc on a pris la solution de facilité, on est allé passer le contrôle ailleurs. On a profité d'être au Festibus le vendredi, on est allé à le Puy-en-Velay, on est allé passer le contrôle là-bas. Et il est good. Aucun problème. Il n'y a plus rien en contre-visite et en défaut mineur non plus. Non plus. Voilà. Il est valable pour 2 ans. En aménagement, véhicule aménagé. Voilà pour les infos. On va vous mettre un petit peu le Festibus en vidéo. Voilà, à plus. À plus! La rivière en son nom. C'est rigolo. Avec Phil. C'est dommage, Agnès n'a pas pu venir, elle travaillait. C'est bien vert, hein, avec tout ce qui pleut. Génial. Pas de soucis.
Voilà, on fait un peu le tour du vestibus. On va voir un peu les gens qu'on suit par YouTube. C'est rigolo de voir en vrai. C'est coucou Arthur. Bonjour. Bonjour. Tu vivras ta vie sans aucun souci. Hakuna Matata. Ce mot signifie. Zou. Des faux fileurs. Ouh, les jolis rosiers. Tu montreras, tu l'as. Voilà, on est sur l'aire de camping, de chanteuse. Il y a la rivière qui passe là-bas. Le village est juste au-dessus. Et là, donc, il y a l'étang. C'est magnifique. Par bonheur, on a un petit peu de soleil. Voilà, on va monter au village. On va prendre le sentier de la gravière. C'est calme et paisible, c'est magnifique. Alors, le prieuré de Chanteuse. Et joli bâtiment, je ne sais pas si ça se visite. On va aller voir ça d'un peu plus près. Alors. La vallée de l'Allier. On va aller voir un peu le village.
fait quand même pas mal de véhicules. C'est un très beau site. Très très beau site. Celui-là, c'est tout clair de camping. Donc ça va de là-bas au bout jusqu'à cet angle-là. Et on peut voir, j'essaie de voir si on peut voir jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est ça. Donc de là-bas jusqu'à, donc on voit là, on distingue là, il y a le virage. En fait, c'est le bout de l'air. Donc ça fait une super superficie. Il y a de quoi ranger quelques véhicules aménagés. Le site est vraiment très joli. On va voir un peu le priori maintenant. Voilà, le site air naturel de camping de Gravières. Et voilà, tous les véhicules. Donc c'est le Festibus, donc forcément il y a beaucoup plus de bus aménagés que de camions. Nous, on n'est que deux camions 4x4. Philippe et nous. Et puis il y a aussi de ce côté des camping-cars. À droite. Et là, donc, il y a tous les bus aménagés. Oh, il y en a qui sont magnifiques. Celui-là, il est splendide. Vraiment. Celui-là à droite, il est splendide. Donc là, il y a les carapates, c'est les organisateurs du rassemblement. Qui est tip top d'ailleurs. Voilà. Ouais, celui-là, il est. Oh, il prend un petit rose. Combien on est exactement de véhicules en tout. Voilà. Il faudrait que je m'amuse à les compter. Avec
avec la vue sur la grande cathédrale qu'on est allé visiter hier. Voilà, dernière soirée au Festibus. Oh putain, bah, on y a tout de suite, on va entendre des relouvières. Chien de punk à chien. Oh là là là, et tous les soirs, et on sait pas pourquoi. La prochaine fois, je prends plus un chien. Il y a les deux couleurs, elles sont les doubles. Tiens, un barbeau. Hein, c'est un barbeau qui est venu. Bon. Festibus.
Donc on a un petit peu complété notre collection d'autocollants. Donc là nous avons Tamer en vadrouille, les faux fileurs, par contre les faux fileurs ne font plus de vidéos, les Happy Doodle, le Festibus 2024, Carapate, Suivons les étoiles, Mabrouk, les Vagabonds et il nous en manque encore. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que, si je ne me trompe pas, il nous en manque un. Il faut que je regarde. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner aux différentes chaînes des copains. Alors voilà, donc on tenait à remercier Carapate, Patrice et Valérie, parce qu'ils ont fait une super organisation. Puis on remercie aussi tous ceux qui l'ont aidé. On n'a pas retenu toute la liste, hein, parce que Patrice avait donné toute la liste des personnes qui avaient aidé, mais on ne l'a pas retenu. Un grand merci. Donc, ouais, super organisation. Le site était super, très beau site. Donc, franchement, les 4 jours qu'on a passé là-bas, ils étaient super. Donc, toi, t'as quelque chose à dire ? On remercie les nouveaux copains, les anciens copains, du partage qu'on a reçu pendant ces 4 jours. Et on espère bien vous revoir sur les routes. Et donc, on y retourne l'année prochaine. Allez, au revoir, salut. Fin de la vidéo. Au revoir.